Ik ga met Bully Landers een film draaien in oktober, november. C'est, bah, Tim, ça a été une rencontre qui restera déterminante pour moi. Dat is een scenario van Bully, maar wat we wel samen terug herwerken. En wat Bully ook wil, dat ik er echt met een eigen stempel op druk. En hij speelt daar de hoofdrol. Je me suis dit, mais diriger en anglais, jouer en anglais, ça va juste être trop, quoi. C'est pas possible. Et puis, je me rappelle qu'on avait discuté avec Tim, il disait, moi, j'aime pas écrire. J'aime bien faire. Je dis, bah, moi, j'avais écrit une série. Je dis, j'ai pas envie de la réaliser, fais-la. Il m'a dit, ok, bon, on rigolait avec ça. Et on s'est dit, on va en reparler, tout ça. Et puis, j'étais en réunion, et puis tout à coup, je me dis, mais j'étais en train de me rendre compte de l'impossibilité pour moi de faire tout, quoi. Et puis, je dis, mais j'ai une idée. Je crois que c'est une bonne idée. Donc j'ai dit à mes producteurs, je vais confier la réalisation à Tim. Le producteur est un peu. Et puis après j'ai vu tout de suite, on dit mais ouais, quelle bonne idée et tout. Donc j'ai appelé Tim qui était libre, qui était ravi. Et tout s'est aligné d'un coup. Je dis ok, c'est bon. Donc on a établi un protocole de co-réalisation. Mais sur le tournage, c'est lui qui va reprendre la mise en scène. Puis moi je ferai le montage. Mais on fait tout le travail en amont, en co-réalisation. Parce que je continue à faire les castings, je continue à faire tout. Il va prendre en charge la mise en scène. Et ça c'est super. Et tout à coup je trouve que c'est bien de réinventer des trucs. Moi j'ai pas d'ego par rapport à ça, Tim non plus. Donc on s'entend très très bien. Il a une super bonne énergie. Et c'est super, c'est vraiment une belle rencontre. Donc je suis très excité à l'idée de commencer ce film. Comme ça. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans sa façon de réaliser? Bah, j'ai d'abord vu le film, quand même, avant de lui demander. Je ne sais jamais, c'était vraiment. Mais il a des super beaux cadres, il maîtrise le plateau à la perfection, il dirige bien les comédiens, il a une vision de l'ensemble du truc, il a une ligne esthétique qui est très très belle. Il aimait bien mon travail. Donc il était ravi parce que c'est lui qui m'a demandé de jouer dans De Patre, qui voulait absolument me voir. Moi j'avais pas le temps, donc il a réduit à 2 jours pour que je puisse être sur le plateau, parce que normalement je pouvais même pas faire De Patrick. Et heureusement qu'il l'a fait, parce que c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était vraiment quelqu'un de bien. Et donc j'ai l'impression qu'on est dans une on est pas en opposition du tout. On fait le même type de cinéma. Voilà. Et ici, bah, il connaît aussi bien les équipes anglaises, puisqu'il a tourné avec les Peaky Blinders, avec Fargo et tout ça. Donc, c'est l'homme parfait pour moi. Dat gaat zich afspelen in Schotland. Dat is een liefdesverhaal. Entre une dame en Écosse et un Belge qui habite là-bas et qui, à un moment donné, a fait un AVC et a un problème de mémoire. Et l'histoire d'amour se construit avec cette dame et ce Belge qui ne sait pas très bien ce qu'il fout là. En ik ben altijd een waanzinnige grote fan geweest van zijn werk. De films waar hij in speelt en zijn eigen films. En zijn ook altijd een grote inspiratie geweest voor wat ik doe. Of in de films waar ze Patrick. Dus het is iets waar ik heel hard naar uitkijk. Cinefox.